Bienvenue sous Palmi Sakma pour la CAI. Et jeudi, c'est 9 septembre, nous à deux jours de 9-11. Et un événement tragique que vous n'avez pas oublié par rapport aux États-Unis. Un événement qui prend pile vie et qui marque l'histoire du pays. Jeudi, on devrait parler de un groupe de monde qui n'a pas attiré l'attention sur vous et qui a participé justement. N'a apaisé doulé moun te gen pendant événement ça. Ça n'a regardé DM nan là, c'est visage youn. Par exemple, là c'est monsieur. Non capable ouais là. Monsieur toujours li toujours gen bagay pour la respirer, son interview que il te bail. C'est un exemple, c'est un modèle de Yon moun justement qui te travaille dur pour te clean. Pour te clean, ramasser débris. Monsieur c'est Yon. Non monsieur c'est Franklin Anchoa. Donc il était parmi moun qui t'a retiré et on bonne poussière dans office dans appartement dans chapelle dans Manhattan des semaines après attaque ça. Et il fait parmi des groupes moun ça yo. Qui pa gen papier et qui justement investi yo, tout yo même pour faire pour clean yon événement qui t'a affecté tout pays a. Monsieur expliqué après bagay ça li te vin gen sa ou ta rele heartburn, li te vin gen acide, c'est ça ta rele ti te zeb maman le voye pour li ne Pérou parce que li te évite al nan l'hôpital al pran soin parce qu'il illégal li paye pour déportation parce que comprendre bien il dit après pile poussière ensemble de bagarre donc événement ça a gen des impacts sur santé en d'autres termes c'est un illégal qui justement bail col justement pour la nation pour pays a fait son événement marqué pays a. Donc son bail est terrible. Il était besoin traitement médical, il était besoin spécialiste. Il expliquait que il te gagne des problèmes respiratoires. Je ne jodi à monsieur gagne et 50 ans. Pour la première fois monsieur était à résider dans l'hôpital, c'était en 2011 dans Bellevue l'hôpital. Lui même avec un bon autre immigrant en majeure partie c'est d'Espagne, c'est des monde qui parlent espagnol. Il fait partie de l'équipe qui tape clean up. Pendant longtemps, groupe moun sa yo t'ap mandé pour yo légaliser, yo mandé legal immigration status aux États-Unis. Yo façon pour capable compenser travail que yo fait, mais tout des problèmes dans santé que yo vinn gen par la suite, des bagages que yo souffri. 20 ans après, Nad Marinad en pile là-dedans yo journée jodi a continue à participer dans protestation côté y a fait demande pour di pour légaliser pour ba résidence gen l'autre qui campé dans bataille ça ça n'a pas se explique là pour ka comprendre que non pays un événement aussi tragique ou gen des individus qui risquent toute vie yo qui vinn gen des problèmes sanitaires à cause de événement ça parce que au tap clean up tap nettoyer quoi de plus juste pour que individu ça yo pour ta ba yo un green card monsieur k'ap expliquer li très difficile pour joindre travail sans immigration nous konn ça l'on pa gen papier tout kalte vie travail ou joindre monsieur expliquer que gen des avocats qui tap aider yo des années yo di yo ya permettre yo joine papier 20 ans après qui fin passer pas dans rien et en d'autres termes moun sa yo qui tap travail tout dans World Street Center yo pas aussi visible puisque ça yo c'est des cleaners et di yo pas gain le choix pour chercher aide médicale de manière immédiate j'en doule ou te pay deportation
Donc, quelque part, tout, on essaie de clarifier. De manière légale, il y a deux possibilités pour Mounta Ote Kajan résidence. C'était une action de la part du Congrès, ça que m'a toujours dit nous ça. Président pas kabay, pas prend exécutif order pour le dire la baye au résident. Chaque jour m'a dit nous ça. Président pas baye résidence. Ok? Président a toujours proposé. Le Parlement doit voter. Et c'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire que le Parlement, pour t'a voter, pour t'a comprendre l'importance de la participation, moun sa yo. Ça n'a pas tout là, c'est pour montrer que toute difficulté qui gagne, si ces gens d'individus et les gars, pas trop nécessité pour te faire un vote pour avoir une green card. Vous comprenez la maladie visite. Maintenant, on regarde. Sur le plan légal, seule possibilité, en fait, dans ça qui est écrit déjà, parce que je vais oublier que pour ma parle de ça qui gagne là. Façon pour mon gain résidence Kounia, nous connaissons à travers. Famille, si pas une famille, ma parle, c'est à travers ça nous avons les investissements. Si vous investissez 900 000 dollars, ma parle de toute façon, 900 000 dollars. Ou bien, si vous avez une grosse compagnie, ou tu es manager en Haïti dans une grosse compagnie, livre ou une manager, pas bon ici. Ok? Ou bien tout sous étudier, ou te gon bachelor degree, ou pon PhD degree, ou vin gen H1B, et puis jusqu'à ce que vous vin gen résidence à travers études qu'on a fait ici. Ou bien tout nan cadre travail, ou travail en côté pour faire application pour vous. C'est ça? Et faut travailler ta fal pour. Maintenant, dernière façon de penser légal, en fait, monsieur, ton bonne façon. Nous pas yon pas gen yon qui tellement approprié pour moun sa parce que ça nous saute dit à l'air pour un travail rempli pour pas oublier que tu travailles de manière illégale. Donc, compagnie ça acte employé illégal pas ta dit que pour faire application pour yo puisque de manière légale pas supposé travailler là-dedans. Cette façon qui était pour moun sa yo c'est ça nous relé par achievement ça ou réalisé. Ça veut dire gen un type de résidence que vous bay pas bon ici, c'est pour des séries de monde qui fait de grandes réalisations. Et là on dit grandes réalisations, il y a dans plusieurs domaines. Donc à citer par exemple, si vous prenez chanteur Drake. Drake, il y a en fait Drake, il y a une résidence et monsieur c'est à travers des skills, je crois. Et maintenant les yo parler de monde qui gagne Oscar, sous gon Grammy Award, sous son gros artiste international. Yo parler tout sous gen sandare yon habilité extraordinaire ou son célébrité dans domaine qu'on a performé. Maintenant nous même nous penser que tu es capable gon gens pour faire de action ça yo comme une réalisation extraordinaire. Puisque la vérité on dit bien Jean-Lia. C'est des gens qui baillent corps ou vie parce que do sans compter impact psychologique bah ça a gagné sur yo mais yo do gagné qui gagné des maladies respiratoires donc yo baillent partie dans corps pour te clean un espace qui t'est affecté tout ton pays yo té ailleurs nous connaît de manière informelle cleaning company ça yo yo té là yo tap cli débris poussière en bas building yo pendant des mois et ça ou pas même gain ça n'ta relé des protections adéquates en pile là dans bataille pour faire et face avec des assaillants qui transformer vie depuis là puisque gain qui obligé à faire des traitements pour ça n'ta relé dépression anxiety ça n'ta gomba yo relé traumatisme post traumatic disorder et Jean Doula kagen un petit poussière là-dedans qui toujours continue à protester par exemple en octobre qui s'est passé là yo t'a demandé gouvernement pour établir une route pour capable bayo résidence parce que yo t'a clean yo t'ai fait et pareil de prestation dans le passé yo t'ai annoncé un bill je crois en 2017 côté de dit pour September 11 responder clean up ça ou les fast track legal immigration. OK, si ça t'es capable briller un essential worker. Yo estime yo entre 1000 à 2000 immigrants
qui était 1000 à 2000, même pas ce qui sont bagaille était qu'à voter. Yo pas même arrivé introduit bill ça même. OK? Yo pas même arrivé introduit. Donc voilà. Donc nous ca comprendre que histoire groupe moun sa yo hein c'est vrai que puis faut la dans sorti en Amérique latine mais gen sorti Poland gen dans Europe yo organisé yo dans différents groupes pour partager information à propos de medical help et forme de compensation ou ta supposé gen hein? Donc nous pensons que quelque part gen des parlementaires gen des groupes de monde qui vraiment pas reconnaissant. Yo vraiment pas reconnaissant pour des moun qui sacrifié. Parce que c'est justement c'est très peu que moun sa réclamé pour travail que vous fait. Moi pense que de manière légale sans pas même gagne nouveau loi. Tu es capable gagner tant bien. Tu es capable gagner moyen pour yo introduire moun sa yo dans sa nouvelle résidence à travers réalisation, résidence à travers ça que ou fait. C'est vrai que yo parle que moun ki gen gros Oscar, ça qui gen Grammy Award, ça qui gen gros prix dans compétition, gros poète, gros écrivain international. But un événement de ce genre, des moun qui participent là-dedans, nous pensons que li capable entrer de manière spéciale dans le cadre de sa notaire, les réalisations, et qui te ka permettre, moun sa yo ki pa en pile, 1000 moun, 2000 moun. On dit que son honte quelque part, hein? Son honte quelque part pour ces parlementaires qui pa accélérer pour ces individus qui ont donné leur vie, leur sueur, leur sang, ont pati dans vie yo, pour yo clean ou événement qui touye. Près de 2000 monde. C'est un signe justement des groupes de monde qui pas reconnaissant du tout envers de certains individus qui baillent vie au koyo pour aider à réparer les dégâts. C'est très peu me penser que à l'occasion de 9/11, il faut penser à ces travailleurs qui en bas sous couverture qui pas même gen bon jan matériel en bas poussière y a clean et ou pas gen papier. Nous parler de vidéo ça c'est justement pour nous pointer du doigt pour montrer que il y a là n'a parlé de justement cette bataille pour légaliser des groupes monde ou qu'à comprendre que qui gens que des parlementaires insensibles quand il s'agit de légaliser vous dire qui ça. Le gigasson c'est le bagaille parce que yo était quoi que moun sa ou légalisé a vinn prend pays yo nan men yo puisque automatiquement vinn gen permanent résident a vinn diverse citizen donc yo toujours considéré comme des envahisseurs alors que l'histoire a prouvé que développement pays ça a toujours fait dans la diversité il toujours fait avec santare les habiletés ressources des immigrants. C'est toujours, et l'a toujours été un pays des immigrants. Donc, nous te voulons justement faire analyse profonde ça à la veille de ces événements malheureux de 9/11. Merci tout le monde.